les belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle des transformations, qui est l'oracle Tao de Mahadeva Padma. Alors, ça m'a donné envie de vous reparler de cet oracle qui n'est pas tout récent, hein, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux en ce moment, on voit beaucoup d'oracles récents, d'oracles qui viennent de sortir. Je vous en ai déjà d'ailleurs présenté un, enfin pas déjà, mais en tout cas encore présenté un hier, c'est l'oracle du Yin et du Yang. Mais ça m'a donné envie de vous parler à nouveau de l'oracle Tao, parce que justement, celui dont je vous ai parlé hier reprend la sagesse du Tao. Et ici, eh bien, c'est l'oracle Tao, c'est un oracle qui est extraordinaire, parce qu'en plus on peut faire... On peut se servir justement des transformations que nous permet de faire cet oracle. Et comme certains d'entre vous m'ont demandé en message privé si j'en avais d'autres sur ce thème et si je pouvais en parler, et donc, eh bien, voici. Il y a 3 ans, pour la petite histoire, je vous avais déjà fait une présentation de cet oracle et je vous avais également expliqué comment se servir eh bien, de cet oracle avec... les transformations que vous pouvez faire avec les hexagrammes qui sont sur chaque carte. On va en reparler tout de suite. Si vous n'avez pas vu la vidéo de celui-ci, je vous la mettrai en lien ici. Vous le verrez apparaître pendant que je suis en train de vous parler. Comme ça, vous irez le voir. Et... pour également vous reparler de quelque chose, vous vous rappelez que je vous ai parlé également des Sens Mana. Et Sens Mana, c'est cette belle entreprise française qui fabrique des objets spirituels et ésotériques. Alors moi, j'ai ce plateau avec, vous voyez, le symbole de Métatron, mais il n'y a pas que ça. Il y a des bijoux, il y a des objets de décoration, il y a des objets... justement avec des géométries sacrées, enfin tous les objets que vous avez envie de, eh bien, de vous offrir ou d'offrir. Et sachez que comme je suis partenaire de cette belle boutique, eh bien cela vous donne droit à une réduction de moins 20% avec le code Christine20, ça va s'afficher là aussi. Et c'est pas que sur votre première commande, parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé, c'est pour toutes vos commandes, vous avez moins 20% si vous utilisez ce code. C'est réservé à mes abonnés, bien entendu, les gens qui vont sur le portail sans connaître le code ne pourront pas avoir cette réduction, donc c'est un privilège que vous avez, c'est sur toute votre commande. Et pour savoir où vous devez inscrire le code, eh bien vous devez aller jusqu'au paiement et à partir de là, vous avez un petit espace qui vous permet de taper le code Christine20 pour bénéficier de 20% de remise sur la totalité de votre commande, qu'elle fasse 50 euros, 100 euros, etc. Vous aurez 20% de réduction, d'accord? Voilà, je vous en reparle parce que certains me l'ont demandé, m'ont questionné à ce sujet, donc je préférais vous en reparler. On va maintenant voir en détail cet oracle. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'oracle Tao sans parler du I Ching. I Ching ou I Ching, c'est le fondement justement de la pensée chinoise qui a été rédigée en Chine il y a environ 3000 ans. Dans ce livre, eh bien, vous allez retrouver beaucoup de sagesse et c'est surtout un livre très ancien comme la Bible à peu près, hein, puisque ça remonte. Mais ce livre, c'est aussi bien un livre de sagesse qu'un oracle divinatoire, mais bien au-delà également, puisque c'est un puissant ouvrage philosophique dont s'inspirent les grands maîtres à penser de la philosophie chinoise comme Confucius et Lao Tzu. Il s'y réfère et le commente souvent. Voilà. Donc le I Ching nous apprend que rien n'est jamais fixé, que tout se transforme en permanence, d'où son nom, le livre du changement, de la transformation ou des mutations. Voilà, comme ça, vous en savez un petit peu plus sur la philosophie. Alors, je vais vous lire un petit texte sur la philosophie I Ching, justement. Tout passe, tout change, tout est en devenir, tout se transforme. Le I Ching est basé sur la permanence de la transformation de tout ce qui constitue notre monde, les êtres comme les choses.
Les fondements du I Ching enseignent qu'il existe un ordre dans le chaos et que tout ce qui existe, tout ce qui se passe dans notre vie, démontre un univers en constante transformation. Ainsi, en nous et tout autour de nous, de la terre au ciel, rien n'est jamais fixé. Tout est en mouvement perpétuel. La cosmogonie chinoise explique l'origine du yin et du yang ainsi. À l'origine existe le non-être, qui, ou infini, ce n'est pas le néant de la philosophie occidentale. Le non-être donna tout naturellement naissance à l'être, la limite ou le tai-chi. Le tai-chi se sépara en deux pour donner naissance au yin et au yang. Et ces deux énergies primordiales que sont le yin et le yang, en se repoussant et en s'accouplant sans cesse, engendrent les 10 000 formes, soit l'univers. Voilà, donc comme ça. En chinois, yi signifie le caméléon et qing, la trame du tissu dans laquelle on enveloppait les livres sacrés. Ainsi, le mot yi qing se traduit littéralement « la trame de l'étoffe du caméléon » ou l'animal qui se transforme. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le I Ching et sur la sagesse chinoise que cela représente. Alors, maintenant, on va parler un petit peu plus de cet oracle. Alors, cet oracle Tao, il arrive dans cette boîte aux éditions Gange Édition, justement, que vous voyez ici, dans une boîte souple. Je pense qu'il est toujours édité comme ceci. Je pense pas que ça ait changé. Sauf si vous avez peut-être des éditions collector. Il existe peut-être des éditions collector. Il me semble que j'en ai vu certains où les bords n'étaient pas blancs, mais avaient un petit côté ocre, voyez, un beige. Donc je pense qu'il doit y avoir forcément d'autres éditions. Alors est-ce qu'on a par exemple sur celui-ci, là on était sur les éditions 2004, donc oui, il y a peut-être eu depuis d'autres éditions qui ont été faites. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne cet oracle, on va essayer de le faire simplement en regardant par exemple cette carte. Donc là, sur cette carte, vous avez, alors en haut, vous voyez le signe du yin et du yang, mais ces deux couleurs, ça a encore une autre signification. Il y en a tellement, elles sont tellement riches ces cartes que je pourrais en parler pendant un moment. Et en plus, ça fait un moment que je ne l'utilise plus moi non plus, donc il va falloir que ça me revienne. Donc vous voyez, vous avez l'image avec le symbole déjà, l'illustration. Là, on voit une araignée qui est en train de tisser sa toile sur un cerisier. Parce qu'ici, on reconnaît, enfin en tout cas moi perso, je reconnais les fleurs de cerisier. Vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte qui est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Ici, vous avez trois trigrammes qui, associés, forment l'hexagramme. D'accord, ça c'est important. Et ici, vous avez encore des cryptogrammes qui ont chacun une signification. Alors, je ne me rappelle plus des significations. Ça, je crois que c'est le bois. Je vais vous le dire tout de suite. Si je retrouve la page. Alors, le bois ou le vent, et ici, c'est pour le ciel. Donc, en fait, ici, vous avez, pour la plupart des gens, les diverses combinaisons de ces six traits entiers ou brisés évoquent peu de choses ou rien du tout. On parle de cela, hein, c'est-à-dire les deux trigrammes que l'on forme en un hexagramme. C'est la raison pour laquelle 8 nouveaux symboles ou pictogrammes ont été créés pour exprimer la qualité énergétique associée à chacun des trigrammes. D'accord ? Donc, ce trigramme-là, il est associé à la qualité énergétique du bois et du vent. Et celui-ci, du ciel. Et ensuite, vous avez à la fin du livre, parce que moi j'ai le livre, les tableaux qui vont vous expliquer l'histoire des, enfin, la signification des pictogrammes
en rapport avec la symbolique du Tao. Voilà, ils sont... Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit cet oracle, il faut vraiment l'utiliser, le regarder, l'expérimenter. Voilà, ça se fait pas juste, tiens... Alors oui, vous pourriez très bien tirer une carte et juste vous servir de l'illustration et des mots-clés, mais il a tellement beaucoup d'autres richesses que ça serait dommage de passer à côté de ça. Et justement, ce qui est important avec cet oracle, c'est que comme je vous ai dit, c'est l'oracle de la transformation ou des mutations, ou enfin des transformations, non, oui, des transformations ou des mutations, eh bien, c'est que vous allez consulter l'oracle, mais vous n'allez pas faire que le consulter, vous allez essayer de savoir comment cette situation que vous vivez là en ce moment au travers de cette carte, eh bien comment elle peut évoluer, comment vous allez la transformer, comment elle peut être transformée, et c'est l'oracle qui va vous répondre. Donc on va d'abord découvrir les cartes et à la fin je vous ferai un petit exemple. On va faire ça facilement, tranquillement, on va pas rentrer dans des explications très très longues pour vous montrer comment on procède avec cet oracle. Justement, l'auteur Madeva Padma a créé cet oracle pour simplifier le langage du I Ching, pour le rendre accessible à tous. Donc justement, pour qu'il soit accessible à tous, je ne vais pas compliquer les choses en vous racontant des choses voilà, qui seraient futiles et pas forcément utiles là tout de suite, mais je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez en apprécier déjà la beauté parce qu'elles sont très belles. Et ensuite, à la fin, on regardera comment on procède à la transformation d'une carte quand on fait un tirage, si vous êtes d'accord, bien entendu. Allez, c'est parti, découvrons d'abord les images. Donc bien évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre parce que ce sont des cartes pendant un moment que j'utilisais beaucoup. Alors d'abord, je vais vous montrer le dos qui est ainsi. Donc elles sont légèrement brillantes puisque vous voyez que mon petit projecteur se reflète dedans. Elles ne sont pas très épaisses, mais franchement, pour les avoir utilisées beaucoup, elles sont vraiment d'assez bonne qualité parce qu'elle ne bouge pas. Donc là, vous avez l'innocence, vous avez de très très belles images comme vous pouvez le voir. Là, on est vraiment avec ça fait vraiment penser à la Chine, hein, c'est très beau. Alors, on a en tout 64 cartes. Hein. Donc il y a de quoi faire. Donc, vous voyez par exemple la dispersion là, on peut très bien voir ce qu'il en est par rapport à l'illustration. Là c'est quelqu'un qui est un peu prisonnier, manipulé, stagnation. Là on est sur la coopération, hein. La grâce, l'obscurcissement de la lumière, la délivrance, l'attraction des opposés. Alors j'attends également des nouveaux oracles que je dois recevoir bientôt. Alors des jeux auto-édités que j'ai commandés, qui sont en précommande. J'en attends aussi des éditeurs que j'ai vu déjà passer sur d'autres chaînes, donc ça sera pas une surprise, notamment celui de Noël. Je l'ai pas encore reçu moi personnellement, donc voilà. Après j'en achète un petit peu moins en ce moment, j'essaye de pas être trop boulimique d'oracle parce que ben j'ai plus la place chez moi. Déjà je pense qu'il va falloir à un moment donné au contraire que je me sépare de certains. Je vous laisse apprécier les cartes en même temps, hein. Je vous fais la parlotte, mais... Mais voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu réduire... Bah, je peux pas pousser les murs, hein. Je peux pas en mettre de partout dans la maison non plus, ce serait pas... Bon, je dois en avoir 300 à peu près quand même, ce qui est pas rien. Alors l'abysse, j'ai été coupée donc, par un appel qui a duré un petit moment, donc je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire, c'est pas grave, donc on continue, hein, c'est les aléas
des vidéos. C'est pas du direct, mais presque, hein. On va dire que c'est les aléas du direct. C'est pas vraiment le direct. Donc vous voyez que les images sont très très belles, qu'on peut vraiment, eh bien, si on n'a pas envie de lire tout ce qu'il y a et d'aller voir les transformations, on peut vraiment se laisser emporter, on va dire, par la beauté des images qui sont très parlantes. Et donc comme je vous disais, on va faire à la fin un petit exemple de transformation pour vous montrer un petit peu comment... on peut l'utiliser. Cette carte, elle fait un peu penser à l'ermite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, il n'a pas la lanterne, mais... Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup cette... j'aime beaucoup cet esprit, cette sagesse du Tao, cet esprit... comment dire, Extrême-Orient, mais je vous l'ai déjà dit... Celle-ci, j'adore. Elle est très, très belle. Elle est très douce. C'est une image très douce, très paisible. Bon, là, je fais cette vidéo. Il est le soir, mais je pense que je vous la publierai demain parce que le soir, j'ai toujours beaucoup de mal à passer les vidéos en ligne. Je ne sais pas si... tout le monde est branché sur internet. Alors ça, ce sont les cartes justement pour nous aider à créer les hexagrammes et comprendre. Comment aller récupérer les cartes quand elles ont été transformées. Et voilà, c'est la petite dernière. Alors, comme je vous avais dit, effectivement, vous avez pu constater qu'elle n'était pas dans l'ordre. Alors, ce qu'on va faire pour un exemple, j'en ai vu une qui va s'y prêter. Les obstacles, par exemple. Imaginons qu'on a posé une question concernant l'évolution de notre relation sentimentale. On va faire un petit exemple. Donc, comme ça. On a sorti cette carte concernant la question qu'on avait sur l'évolution de notre relation sentimentale où on a les obstacles, obstructions inattendues, frustrations, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte, découragement. Donc on se sent un petit peu perdu. On sent que cette relation... à des difficultés, peut-être de communication, peut-être qu'on se sent seul, vous voyez, un petit peu comme ce bateau. On sent quand même que ce bateau, il est en train d'être remué dans tous les sens sur cette mer complètement déchaînée. Donc, vous êtes dans un moment où c'est difficile, c'est compliqué, il y a des conflits, il y a des blocages. La relation ne se passe pas comme on veut, d'accord? Donc là, vous avez les pictogrammes qui sont juste à côté. Alors, cet hexagramme... trigramme, parce que c'est les deux qui forment un hexagramme, mais quand ils sont seuls, c'est trois traits, c'est un trigramme. Alors, ce trigramme a comme pictogramme l'eau. Bon, on s'en serait douté, mais bon, j'ai préféré vérifier. Et ici, on a la montagne, d'accord? Donc, on pourrait aller très bien voir déjà la signification de chacun de ces... trigramme. Donc on a ici celui-ci qui est l'insondable. Je regarde si c'est bien le bon, oui. C'est l'eau, le fils cadet, la profondeur, l'inconscient, le courage. Et ici vous avez celui-ci qui est l'immobilisation qui équivaut à la montagne, le plus jeune fils, la rigidité, l'arrêt, le frein. Donc vous voyez que vous avez ici la symbolique énergétique, donc la montagne, et ici vous avez l'eau pour savoir à quoi eh bien vous êtes relié.
Alors donc, pour voir un petit peu comment va se transformer cette relation, c'est-à-dire là on sent que vous êtes dans une relation bloquée, qui n'avance pas. Donc on va reproduire ici sur un papier ce symbole-là, d'accord ? Donc vous avez d'abord, alors les deux traits c'est le yin, il faut le savoir. Donc vous avez tout d'abord le yin ici. Je ne sais pas si je suis pas partie de trop bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça va. Donc, vous partez toujours du bas. Ensuite, on a encore un yin ici. Et puis, on a un yang. Donc, c'est celui-ci, d'accord ? Au-dessus, on a deux yin. Donc, on reproduit exactement le même. Et ensuite, on a un yin. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis montée jusque-là, mais comme ça, ça suffit largement. Donc, vous voyez, j'ai reproduit donc ces deux hectogrammes en sept hexagrammes, d'accord ? Donc, d'abord, ce qu'on peut aller faire, c'est regarder la signification de la carte 39, pour voir un petit peu. Alors, les médias présentent d'innombrables scènes de vie idéales, parfaitement réglées, où jamais le moindre problème ne transpire. C'est le côté glamour des personnages qui font l'actualité. Une façade ayant pour message qu'ils ont la situation bien en main, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils sont suffisamment influents pour avoir partout leur entrée et à n'importe quelle heure. Ils ne sont jamais ni contestés, ni frustrés, ni déçus. La réalité est que nous ne croisons jamais dans les rues de tels mythes des temps modernes. La vie n'offre aucune garantie. En tant qu'humains, nous n'avons en fin de compte aucun contrôle sur elle ni sur les leçons, les hauts et les bas auxquels elle nous soumet. Quels que soient nos succès, nous sommes tous sans exception susceptibles d'être confrontés à n'importe quel moment à des obstacles qui paraissent insurmontables et semblent interdire toute évolution. Des événements malheureux peuvent survenir totalement à l'improviste et nuire fortement à votre sentiment de sécurité. Vous découvrez soudain que la crise exige toute votre attention à un moment où vous avez du mal à garder la tête hors de l'eau. Si la situation continue à se détériorer, vous pouvez commencer à être pris de panique à l'idée que ce revers cinglant peut avoir des conséquences à long terme ou être même impossible à surmonter. Donc voilà, là ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous êtes vraiment en train de passer un moment compliqué, d'accord ? Donc on va essayer maintenant de transformer ceci pour aller vers quoi on va le découvrir. Donc une fois que vous avez posé vos traits, vous allez prendre vos pièces. Alors ça, ce sont normalement les pièces qu'on utilise avec cet oracle. Maintenant vous pourriez, alors je ne me rappelle plus le nom de ces pièces, mais vous pourriez très bien utiliser des pièces, des euros, hein, prenez des euros. Alors, ici, vous avez sur chaque pièce, évidemment, comme sur les pièces de monnaie, un côté pile et un côté face. Eh bien, on va déterminer si celui-ci, c'est le côté yang ou si c'est celui-ci. Alors moi, ce que je vais faire, on va dire que celui-ci, parce qu'à chaque fois, je fais pareil, que celui où il y a beaucoup d'écriture, c'est le côté yang. Et celui où il n'y en a pas beaucoup, c'est le côté yin. D'accord ? Donc, vous prenez vos pièces en main et on va essayer de transformer cet hexagramme. Alors, je voulais voir si on nous donnait comment s'appellent les pièces de monnaie. Non, là, il n'en parle pas. J'essaierai de vous les retrouver. Donc, vous prenez vos pièces de monnaie en main et on va tirer 6 fois. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a 6 traits. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, comme ça, là, on a tiré un yang, deux yin. Donc, on ne peut pas modifier ce trait parce que c'est diversifié. Pour pouvoir modifier un trait yin, il aurait fallu avoir 3 yin. Pour pouvoir modifier un trait yang, on doit avoir 3 yang. D'accord ? Là, on a un yang, deux yin. Donc, ce trait n'est pas modifié. On ne peut pas le modifier. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. Comme je vous ai dit, on commence toujours par le bas. Et là, on a, pardon, elle s'est retournée, deux yang, et un yin. Eh bien, on ne peut encore pas le modifier. Donc, on reste sur la même chose, deux traits séparés. On passe au troisième trait.
Là, on est sur un yang. Eh bien, on ne peut pas le modifier parce qu'on a deux yin et un yang. Donc, on garde le même. D'accord ? Si on garde le même, sachez que pour l'instant, ça ne pourra pas être modifié. Hein. Pour l'instant, vous allez vous retrouver un peu dans les blocages. Hein. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que ça va rester figé à vie. C'est qu'il va falloir peut-être encore attendre avant qu'on puisse bouger les choses. Là, on tire donc pour la quatrième fois, on a deux yin un yang. C'est pareil, on ne peut pas modifier notre hexagramme. On reprend. Je les mélange un peu comme ça. Et là, on a deux yin un yang, décidément. Toujours pas de transformation. Donc, on a exactement le même ici. Hein, un trait plein. Et on reprend pour le dernier tirage. Et là, on a encore, décidément, deux yin, un yang. Donc, eh bien, on ne pourra pas modifier notre hexagramme cette fois-ci. On reste sur le même hexagramme du début. Donc, on ne peut pas aller lire la suite pour voir ce qu'on aurait eu comme transformation. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça se passe avec cet oracle. Vous voyez, donc, il est très, très riche et que vous pouvez vraiment développer vos interprétations grâce à ces pictogrammes, grâce aux transformations que vous allez pouvoir faire. Alors, je ne sais pas s'ils expliquent. Si on ne peut pas modifier, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde. Hein. Après, il y a les méthodes de tirage. Donc voilà, j'ai trouvé. Si après avoir lancé 6 fois les pièces, aucun trait n'est mutant, c'est le signe d'une situation durable et cela renforce la perspective proposée par l'oracle. Donc pour l'instant, eh bien, on reste figé. Alors, je ne sais pas si on a une perspective, du coup, on va voir ce qu'il disait dans les explications parce que je ne vous l'ai pas lu jusqu'au bout pour pas que ça soit trop trop long. Mais par exemple, donc qu'est-ce qu'on nous disait qu'il faut donc, j'étais en train de vous dire, si la situation continue à se détériorer, vous pouvez commencer à être pris de panique à l'idée que ce revers cinglant peut avoir des conséquences à long terme ou même être impossible à surmonter. Dès que vous succombez à cette panique, l'impuissance et la confusion prennent un coup sur le relais, étouffant toute possibilité de garder les idées claires, ce qui réduit rapidement en néant tous vos efforts pour maintenir une cohésion. Lutter contre le cours des choses ne fera qu'aggraver votre frustration, puisque toutes les stratégies que vous mettrez en œuvre sembleront ne conduire nulle part ou pire, accroître vos difficultés. Vous pouvez vous lamenter sur votre sort injuste, ce seul résultat sera de vous complaire dans le rôle de victime, ce qui vous affaiblira davantage, car vous épuiserez ainsi votre capacité à agir de manière efficace. Pour aborder de façon créative les circonstances actuelles, vous devez tenir compte de votre intuition profonde et éviter tout ce qui menace de vous distraire des conseils qu'elle vous donne. Demandez-vous honnêtement si votre évolution personnelle vous a omnibulé au point de faire passer en second plan l'harmonie avec les autres et votre propre équilibre intérieur. Quand on en arrive à ce stade, c'est justement le signe qu'on est passé à côté de l'essentiel. Que la chose même à laquelle on s'accroche est précisément celle qu'il faut abandonner. Dès que les taux de la peur commencent à se relâcher et que l'on cesse de lutter pour maintenir la cohésion, la situation apparaît peu à peu moins accablante. Le scénario de la vie est impartial et n'est jamais figé. C'est une dynamique ininterrompue et équilibrée dont la fonction consiste à réduire les excès et à combler les vides. Il est pour vous essentiel maintenant de vous mettre en harmonie avec ce scénario plus vaste. Au lieu de vous recroqueviller sur vous-même en signe de défaite, laissez volontairement circuler votre énergie, même si dans l'immédiat vous pouvez avoir l'impression que cela ne sert à rien. Occupez-vous uniquement de ce qui se passe en ce moment, du mieux que vous pouvez. Si vous acceptez de persévérer en allant dans le sens du courant, au lieu de lui résister, non seulement vous survivrez, mais vous réussirez. En assumant la responsabilité de vos choix, vous pouvez vaincre même ce qui est apparemment insurmontable. Donc, la carte est claire, c'est que malgré les obstacles, malgré ce que vous vivez, ben justement, on vous dit de ne pas résister et de vous laisser aller au courant. Voilà, on est dans le courant de
de ce qui se passe en ce moment. Donc on est vraiment sur un exemple bateau, hein, on ne va pas commencer à épiloguer sur le truc, enfin sur la signification, mais c'est simplement, j'ai voulu vous montrer cet exemple pour vous montrer ce qu'il faut faire. Là, dans cette situation, quand les obstacles se présentent, eh bien, comme il n'y a pas d'évolution possible sur quelque chose d'immédiat, en tout cas, on vous demande de ne pas résister et de vous laisser aller au courant. Dans les courants, d'accord. Après, avec les couleurs ici en haut, je sais qu'il y a aussi d'autres explications ici, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Je l'avais appris, mais je me souviens plus. Je vous dis, il y a tellement de choses avec cet oracle qu'il faut vraiment prendre le temps de lire. Ce n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un peu comme avec l'oracle que je vous ai présenté hier, l'oracle du yin et du yang. Sur le moment, ça a l'air compliqué parce que je vous envoie plein d'informations comme ça d'un coup. Mais il faut se poser, prendre un papier, poser les choses. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé à étudier les transformations avec les hexagrammes, je me suis dit, mais je ne vais jamais rien comprendre. Et en définitive, c'est très facile quand on a compris le système, c'est vraiment très très facile. Donc ne vous faites pas une montagne, surtout pas, hein, ça ne sert à rien. C'est un peu comme là, quand les difficultés arrivent, on ne se fait pas une montagne des choses, et au contraire, on sait qu'on a la force d'y arriver. Donc vous savez que cet oracle, s'il vous plaît, hein, eh bien vous pouvez vous amuser à travailler comme ça. En tout cas, on peut vraiment travailler très en profondeur avec un oracle de ce type. D'accord ? Voilà, j'espère que cette présentation qui n'était pas prévue au départ, eh bien, vous a plu. Vous voyez que vous avez en plus ce magnifique livre qui va avec, qui est très bien fourni. Il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de méthodes de tirage. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Donc, je vous invite vraiment, si vous aimez cette philosophie du Tao, eh bien, je vous invite vraiment à vous procurer ces cartes et ce magnifique livre. On se quitte, je vous dis à très 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 vite, prenez soin de vous et passez une belle soirée ou une belle journée. Je vous embrasse.